Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Défi 86, 41e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, c'est une demande spéciale. C'est quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour faire le deuil de ses ex. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Chantal Brault. Je suis néo-sexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir, mais particulièrement de la reconnexion à soi par les sens, par le plaisir des sens, donc faire parler le corps. C'est fantastique, c'est vraiment extraordinaire comment le corps peut nous parler, à quel point le corps peut nous dire des choses. Donc le deuil, c'est quoi le deuil? Comment on fait le deuil de nos ex? Qu'importe le deuil d'ailleurs, ça veut dire quoi faire le deuil? Qu'est-ce que ça représente faire un deuil? Le deuil, en fait, c'est le temps que l'on a besoin afin d'accueillir, afin d'accepter. Et la question, c'est qu'est-ce que j'accepte pas? C'est quoi que j'accepte pas dans cette situation-là? Fait que si je suis accrochée à un ex, à mon ex, hein, à mon ex petit copain, à mon ex amoureux, à une ex situation. Je suis très accrochée à mon chien, je suis très accrochée à mon chat. À quoi est-ce que vous êtes si accrochée? Et à quoi est-ce que vous avez besoin de faire le deuil avec? Donc, qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Que vous avez besoin de prendre le temps de digérer, d'accepter. Puis il y a une différence entre prendre le temps de trouver moyen de ne plus sentir, de ne plus ressentir, d'écraser, de camoufler, de banaliser, d'étouffer tout ça, ou prendre le temps d'aller voir c'est quoi ma peur pour moi là-dedans? Ça, c'est la bonne question, là. Hein? Si vous avez de la misère à laisser aller vos ex, posez-vous la question. Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que j'ai peur pour moi dans cette situation-là? Il faut prendre le temps, là. Il faut prendre le temps de se reculer, là, puis vraiment de descendre, puis essayer de voir, là, c'est quoi la peur qui est en arrière de ça? Prenez le temps d'y réfléchir, là. Si vous avez quelqu'un même à qui vous pouvez en parler pour être capable de vous déposer, ou sinon, prenez-vous un crayon, un cahier et écrivez. Essayez d'aller voir, d'aller creuser en arrière. C'est quoi qui se cache là, là? Fait que c'est quoi la peur pour moi dans cette situation-là? Puis en arrière de ça, ça serait quoi mon besoin? Puis vous allez remarquer que ce qu'on n'accepte pas, c'est des choses que on se pardonne pas à soi-même. La première réflexe, la première réaction, c'est toujours de l'envoyer sur l'autre. C'est toujours d'avoir une réaction soit de critique, soit de jugement, soit de rancune, soit d'agressivité, de colère, soit de... Il y a une réaction qui va se faire, mais envers l'autre. Hein? Ça, c'est notre première réaction en tant qu'humain. C'est normal. Mais après ça, en arrière de ça, c'est quoi l'émotion qui est là? C'est quoi qui vous habite? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, que je me sens bousculée, que je me sens dérangée? Puis en fait, là, prenez en note c'est quoi le jugement, c'est quoi que vous accusez l'autre, c'est quoi qui vous dérange, c'est quoi... Puis là, après ça, là, prenez le miroir, là, puis virez ça sur vous, là, puis changez la phrase. Je n'accepte pas que je m'accuse de, je me juge de, je. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous. Faites le travail, faites l'observation, faites l'exercice, allez voir. Allez creuser. Vous savez, on est ici, là, en tant qu'humain,
pour vivre des expériences. Et quand on s'accroche à quelque chose, c'est pour combler un vide, pour combler un manque. Fait que c'est une réaction. C'est toujours, toujours en rapport à un manque d'amour que je ne m'accorde pas à moi-même. Mais il faut que je l'identifie. Il faut que j'identifie c'est quoi. C'est quoi que je n'arrive pas à m'accorder à moi-même? De quelle façon est-ce que je n'arrive pas à m'accorder cet amour-là, cette importance-là, au niveau de l'être, au niveau de mon être? Ouais. Fait que ne pas arriver à faire le deuil de ses ex, qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation avec cette personne-là que vous n'acceptez pas? Qu'est-ce que vous portez encore aujourd'hui qui est présent, que soit vous regrettez, que vous avez honte, ou que vous avez aimé, que vous avez beaucoup apprécié et qu'aujourd'hui peut-être vous manque? Et je vous dirais que quand on a vécu un sentiment agréable, un sentiment d'importance, qu'on s'est senti aimé de quelqu'un, et que là, on est dans une relation où on va se sentir peut-être en manque d'affectivité, en manque d'amour, ou en manque de reconnaissance ou d'importance, on va être porté à revenir vers nos expériences antérieures, hein, et essayer de voir où est-ce qu'on a reçu ça. Dans le fond, on s'en nourrit un peu, mais on crée aussi, si on s'attache à ça, une certaine nostalgie. Puis on décroche pas. Puis, la seule chose que ça nous dit, c'est que, regarde, oui, j'ai été aimée. Oui, j'ai été appréciée. Nourris-toi-en et accorde-toi à toi cet amour-là. Parce que c'est qu'importe tes relations aujourd'hui, tu perds ton temps si tu t'attaches à une chimère, si tu t'attaches à une illusion, si tu t'attaches à un souvenir, si tu t'attaches... Dans le fond, on le voit souvent, OK? Quand que on va avoir, exemple, eu des relations avec nos parents qui vont avoir été difficiles, chaotiques dans notre jeunesse, on va perdre un de nos parents tôt, on n'accepte pas le départ de ce parent-là, puis quelque part, on va commencer à l'idéaliser. On va commencer à le mettre sur un piédestal, puis c'est comme si on oubliait tous les souvenirs où ça a été difficile, dérangeant, puis là, on voit juste les beaux côtés, puis on se crée un scénario, là. On s'invente un rêve, on s'invente quelque chose qui... Parce qu'on a besoin, en fait, de se nourrir d'amour, parce qu'on se l'accorde pas à soi-même, tout simplement. Faites l'exercice. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer, de vous poser la question. À quoi je suis accrochée? C'est pas à la personne, là. Si vous l'avez quittée, cette personne-là, j'imagine qu'il y a une raison, hein? Et n'oubliez pas qu'à cette époque-là, vous étiez dans une certaine état de conscience. Aujourd'hui, avec les expériences que vous avez accumulées, votre état de conscience a changé. Donc, vous ne pouvez pas transposer, vous ne pouvez pas commencer à regretter ce qui s'est passé avant. Ce que vous avez fait avant, c'est ce que vous pouviez faire de mieux dans cette circonstance-là, à cette époque-là, avec la capacité, avec les connaissances, avec ce qui m'habitait, ce que je pouvais faire, c'est toujours pour le mieux pour moi. C'est toujours pour le mieux pour soi, ce qu'on fait. Et on apprend. On apprend. C'est sûr que ça change dans le temps. De revenir en arrière et d'avoir la nostalgie de ce qui s'est passé, puis si je revenais, je ferais différemment, et d'avoir des regrets, vous n'avez pas à avoir de regrets. Vous avez juste à apprendre de l'expérience et à aujourd'hui appliquer dans votre vie ce que vous voulez. C'est quoi tu veux qu'elle devienne ta vie? C'est quoi tu veux en faire? Lâche le passé. Le passé, là, c'est une référence. Ce n'est pas une résidence. Il faut lâcher le passé. Et plus on s'accroche au passé,
plus on est dans la peine. Fait que si on pleure, si on a de la peine, c'est parce qu'on est dans le passé. Quand je vis de l'angoisse puis de l'anxiété, je suis dans le futur. Ma tête, c'est là qu'elle est rendue. Quand je suis bien, c'est parce que je suis aujourd'hui. Fait que ramenez-vous à aujourd'hui. Mais pour être capable de le faire, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je regrette? C'est quoi qui fait que je suis accrochée à cette personne-là, que je m'accroche? Et ça, là, la réponse que vous allez trouver là, c'est ce que vous ne vous accordez pas à vous-même présentement. Quelle est la peur pour vous en arrière de ça, dans cette situation-là? Puis quel serait votre besoin? C'est quoi le besoin qui est là? Puis allez le chercher. Vous êtes responsable de votre besoin. Il n'y a personne qui peut combler un besoin de quelqu'un qui sait dans votre tête ce qui se passe et qui sait exactement à quel moment et de quelle façon. Regardez l'exercice que ça vous prend pour le trouver pour vous-même. Là, vous pensez vraiment que quelqu'un d'autre peut deviner ça de même là, et combler tous vos besoins. Impossible. Impossible. On est des adultes aujourd'hui. C'est de votre responsabilité de vous occuper de votre besoin. On est ici pour vivre des expériences en tant qu'humain, pour nourrir notre âme. À vous de voir si vous allez vous autoriser à exister, à avoir cette importance-là. Je vous invite à faire l'exercice, puis même si vous voulez m'écrire en privé, ça me fait plaisir, je vais vous répondre. Voyez-vous, le genre d'intervention que je peux faire là, comme ça, on fait ça régulièrement dans Vivre le septième ciel. Qu'importe la situation que vous allez vivre, qu'importe le questionnement, qu'importe le blocage, qu'importe la peine que vous allez vivre, quand vous venez à des rendez-vous, là, dans le fond, parce qu'il y a plusieurs plages horaires où vous pouvez avoir accès à moi ou à différents professionnels, parce qu'il y a une panoplie de professionnels extraordinaires dans le septième ciel. Fait que c'est ce qui vous est disponible. Vous avez accès à toute cette brochette de professionnels-là. Vous n'êtes jamais tout seul. Vous avez tous les outils pour avoir accès à ces gens-là, pour vous sortir de là, pour comprendre ce que vous vivez, pour aller mieux. Fait que c'est vraiment une formation, un programme pour accélérer le mieux-être, retrouver sa flamme intérieure, le goût de vivre, lâcher ce mal-être, ce nuage noir-là, la dépression, sortir de là. On peut-tu être bien? On peut-tu enfin aller mieux? Et avoir des relations plus harmonieuses. Arrêtez de chicaner tout le temps. C'est ça, Vivre le septième ciel. C'est ça, le programme Vivre le septième ciel. Vous voulez en jaser? Passez un appel. J'ai mis le lien en dessous. Vous avez juste à prendre rendez-vous. Vous avez juste à booker un espace à l'horaire. Et on va discuter pendant à peu près 45 minutes à une heure de votre situation et de ce qui se passe. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vous aime, je vous adore. Je fais ça, moi, ça me nourrit de faire ça. Et tous les professionnels qui sont dans le septième ciel, c'est des gens de cœur absolument extraordinaires. Moi, je crois sincèrement en un avenir où l'humanité va être à son meilleur. On est dans une ouverture des consciences depuis 2 ans qui est absolument phénoménale et que je vous invite à vivre cette expérience d'ouverture à soi. On est tellement déconnecté, tellement déconnecté. On en reparlera demain. Sur ce, je vous laisse aller. Ciao!